souvent on dit c'est pas possible d'être maman et d'être d'avoir une vie artistique vraiment, tu vois, de faire les deux choses en même temps. Beaucoup de gens pensent que c'est pas possible. Je sais pas. Ok, ma première maternité n'était pas une réussite. À ce moment-là, je faisais. Mais Annie et toi, tu me suis débrouillée, je crois. Mais j'avais beaucoup d'aide aussi. Et je n'avais pas de couple. Chose qui est aussi un peu peut-être plus facile. Parce que le couple, très souvent, ce n'est pas. Oui. Moi, je ne veux pas parler contre les couples. Mais très souvent, ce n'est pas une aide, tu vois. À ce niveau. Il y a toujours une espèce de problème entre son devoir de concertiste international et puis son envie réelle de le faire. De vivre sa vie de femme, finalement, voilà, aussi. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, sur ce plan-là, comment est-ce que vous pouvez arranger votre vie? Parce qu'on sait ce que c'est que... On n'a pas encore arrangé. Il faut être sincère, on est toujours en train d'arranger. Mais je n'ai pas encore fixé. Très bien, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu une époque, je crois, où vous ne voyiez pas tellement. Enfin, l'un jouait à New York pendant que l'autre jouait à Tokyo. Oui, les deux premières années, oui. Non, maintenant ça va mieux, parce qu'on a le même impresario, plus ou moins, alors il essaye d'arranger. Quand moi je joue, si je ne joue pas ensemble avec Charlie, alors lui il est libre, et puis si lui il dirige et moi je ne joue pas, je suis libre, alors on peut s'accompagner comme ça. Parce que les voyages de concert ne sont évidemment pas des voyages d'agrément, et on ne peut pas lier le tourisme et le travail. Surtout avec la petite, par exemple, on ne peut pas prendre la petite quand on a le travail, parce que comment vous faites? Vous ne pouvez pas la laisser à l'hôtel quand vous avez les répétitions, ou si vous voulez travailler, qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, on ne peut pas. C'est impossible. 3 4 Non, 4. Tu vois? 4. There's something unreal about imagining my mother living with a husband in the country. When she was 29, for the first time she tried to live as a couple with the conductor Charles Dutoit. That was when her second daughter Annie was born.